Yahoo, Bidimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve pour terminer normalement au niveau des colis d'abonnés de Noël. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec, c'est pas vraiment une abonnée, mais c'est plus une amie, Lily. Lily, tu as déjà vu sur ma chaîne il y a un an cela avec justement les vidéos que j'ai fait à Paris, où j'ai fait le Otaku Paris Tour, etc. C'est l'espèce de petit bonbon rose, rose de toutes les couleurs, pastel, qui était avec moi. Et donc Lily, c'est une amie depuis un petit moment et elle a décidé de m'offrir un cadeau pour Noël. D'ailleurs, on s'offre tous les ans un cadeau chacun pour Noël. Moi, je l'ai. Voilà, hop. Comme ça, ça devrait passer à peu près. Pour que tu vois quand même le travail qu'elle a fait sur l'enveloppe. Voilà, il y a des petits autocollants et tout ça. L'autre côté, on voyait aussi des autocollants. Je vais te montrer avec sans. Voilà, il y a des petits scotch, des petits trucs. Je trouve ça toujours très 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 mignon, de toute façon, les enveloppes que prépare Lily. Donc voilà. J'essaie de comprendre comment je peux l'ouvrir ici. Alors il faut savoir que Lily, c'est carrément une de mes meilleures amies depuis déjà plusieurs années. C'est grand, non, c'est petit. Il y a plusieurs trucs. Ok, il y a plusieurs trucs. Donc ça, ça ressemble... Oh oui, c'est une carte avec son... C'est une carte avec son... Sa marque. Donc elle a écrit de plusieurs couleurs. Je ne sais pas si on verra, si on voit. Ibichou, j'espère que tu vas bien. Je t'écris cette petite carte afin de te souhaiter de merveilleux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et aussi pour te dire que je ne t'oublie pas. Tu me manques énormément. Il me tarde qu'on pourra se revoir. J'espère que ces petits cadeaux te plairont. Je te fais de gros câlins magiques avec tout mon amour et mon affection. Ta princesse Lily Rose Crystal. Trop mignon. Ah, j'aime bien, c'est trop mignon. Ce sont des stickers. Alors, c'est des stickers. Ah ouais, stickers. C'est des stickers poupées LOL. J'adore les poupées LOL, donc elle m'a pris des stickers poupées LOL. Voilà. On a ici cela. Voilà. Donc on a des stickers poupées LOL. Je m'en doutais un petit peu, bizarrement. Oh ah, ils sont trop chelous. Ah, je meurs. Je vais pas pouvoir les utiliser. Par contre, je te préviens, je les mets en collection. Ils sont trop mignons. Pardon. Les stickers panda, regarde-moi ça comme si c'est beau. Allez, fais le point, toi. Regarde-moi ça, ils sont trop beaux. Ah, lui, ça c'est moi souvent. Ça c'est souvent moi. Celui qui mange aussi un petit peu hein, avec relax, lui c'est moi. Quand je mange quelque chose de bon. Et celui-là c'est quand je vois ma Lily avec les petits cœurs. Voilà. Oh, ils sont trop mignons, c'est trop marrant. En plus ils ont un côté aplati et tout qui est trop drôle. J'adore. Alors on continue. Mais il y a encore d'autres trucs, ok. Ah, oh, trop mignon. C'est des gommes, justement, poupées LOL. À mon avis, il n'y a pas que ça. Ouais, c'est ça, il n'y a pas que ça. Non, c'est pas des... Ah, ça m'est tombé sur le pied. Alors, on a deux gommes, mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ça. Parce que tu vois, il y a un petit truc rose derrière. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est une petite boîte. Oh, tu peux mettre un médoc. Hein. Ça peut être la boîte à médoc. Ça peut être ma boîte à médoc. Et après, on a... J'ai l'impression que c'est des gommes, mais je suis pas sûre à 100%. Poupée LOL. Tu vois, parce que c'est blanc derrière, donc je me dis c'est peut-être des gommes. De toute façon, des trucs comme ça, moi je les utilise jamais, je les garde en objet de collection. Donc voilà. Et oui, le meilleur pour la fin, les stickers panda. Voilà, avec une grande bouche ouverte, parce qu'ils bouffent du bambou. Ouais, je suis refait. Alors, il faut savoir. Voilà.
Donc il faut savoir que cette vidéo, aujourd'hui en fait j'ai filmé plus de 7 vidéos, parce que j'avais beaucoup de retard. Et il faut savoir donc que j'ai fait exprès en fait de filmer la vidéo de Lily en dernier, au cas où qu'il y ait des larmes. Et je me suis dit, sinon à chaque fois ça... tu sais, même si je pleure pas entièrement, t'as pas la larme qui coule, mais en fait ça bousille mon noir. Et donc je me suis dit, je vais le faire en dernier parce que je sentais, et c'est pas passé loin, hein, franchement. Il y a des trucs, je pense que t'aurais pu encore plus attaquer, si, enfin plus me faire pleurer si c'est... j'avais eu certains objets dans un autre ordre en fait, voilà. Donc en tout cas cette vidéo, je pense que tu vois à mon sourire que ça m'a fait plus que plaisir, je suis très 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 content donc de ce colis. Merci Lily pour ce colis de Noël, moi il faut absolument que je t'envoie le tien le plus rapidement possible maintenant. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on commente et on partage. On n'hésite pas à aller voir les vidéos que j'ai fait avec Lily, je t'en mets plusieurs ici et je te les mets sinon dans la barre d'infos. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te mets aussi le lien de sa chaîne YouTube par là. Je ne sais pas encore où, mais je te mets aussi le lien de sa chaîne YouTube. Et n'hésite pas à aller la voir si le cœur t'en dit, car elle propose pas mal de choses très intéressantes et un super contenu sur sa chaîne. Et ça la poussera peut-être à revenir. Sur ce, bye bye!